Salut tout le monde, comment ça va vous autres? Moi ça va super bien. Petit feu fret, mais là c'est pas trop pire, il fait juste moins 9. J'ai l'hiver. Le matin il faisait moins 23 quand on s'est levé. T'es là, voir la neige qui craque quand tu marches. Ah ouais, pas le choix. Faut endurer. Bon, où c'est qu'on est rendu? J'ai-tu des affaires là-dedans, moi? Pas en tout. C'est l'affaire là-dedans? Ah non, je peux pas rien voir là-dedans. Ouais, j'ai fait une couple d'affaires depuis le dernier épisode. J'ai construit un spinning wheel, un métier à tisser. Ou non, c'est pas un métier à tisser, ce serait plus une affaire de grand-mère pour faire de la laine, là. En tout cas, c'était un bubble-là. J'ai exploré la planète, j'ai découpé du bois. J'ai du bois en masse pour le moment, je pense. Ouh, pardon. 531 bûches. Je suis gras dur. Qu'est-ce d'autre? J'ai trouvé des diamants. Wouhou! Pas beaucoup de charbon, par exemple. C'est vraiment... Ça fait pitié en maudit, le charbon. Il faudrait que je me fasse des torches, là, mais j'ai juste 28 morceaux de charbon, puis j'ai quasiment de la peine de l'utiliser pour faire des torches. C'est vraiment rare, le charbon. C'est vraiment fatigant. Là, je viens d'aller lire sur le wiki. Ils disent qu'ils ont réparé bien des bugs, dont l'équilibre des différents minerais, dont le charbon d'affaires-là. Fait que probablement, je partirai un nouveau monde, j'aurai plus de charbon d'affaires de même, mais je ne me tente pas de recommencer à zéro encore. Je vais penser à ça. Non, je ne recommencerai pas à zéro. Ils vont sûrement nous réeffacer nos personnages puis nos mondes à un moment donné. Pour une question de je sais pas quoi, de mise à jour, puis je vais en profiter pour recommencer là. Faut vraiment m'endurer comme mon monde comme qui est là, moi trouver du charbon comme je peux. Puis tout ça là, ils ont réparé parce que les oiseaux étaient un petit peu agressifs. Je sais pas, vous avez remarqué, je sais pas si vous jouez au jeu, mais si vous jouez au jeu, vous allez sûrement remarquer que les oiseaux sont un peu malades dans la tête. Ils te suivent. Ah non, pas les autres. Ok, l'oiseau il descend pas, j'aurais pas le choix de sortir mon arc, pas ça. Hey. Ils te suivent, ils font beaucoup de dommages, c'est l'enfer. Ils vont rentrer dans les cavernes pour aller te chercher. Ils te voient de loin. Puis s'ils te tombent dessus, ils te font mal. Mais là, ils ont tout réparé ça, il faudrait que je recommence un nouveau monde. Ça me tente pas pour le moment. Comme je dis, ils vont sûrement nous faire recommencer de toute façon. Un moment donné, fait que je me casserai pas à terre. Ah non, pas un autre. Là, faudrait que je trouve du charbon. Fait que je pense que je vais. Ouais, passe-toi. Fatigue-moi pas. Attends. Lâchez-vous. Je pense que la meilleure méthode, ça va être juste carrément creuser dans mon tout. Puis essayer de trouver du charbon. J'aimerais ça changer de planète. J'espère qu'en changeant de planète, je vais trouver des planète plus équilibrée. Ce qui parlait de mise à jour, j'espère que ça s'applique à des nouvelles planètes. Il va falloir que je me fasse des torches. Misère. Ça me tente pas. Ça me tente pas de prendre mon coal pour ça. Non, pas le choix. Je vais faire 10 torches pour le moment. Mais oui, c'est vraiment plate. Là, j'ai vu d'autres joueurs jouer, puis ils ont un genre de lanterne attachée après le pack-sac. Ils ont un pack-sac, quelque chose que moi, j'ai pas. Je vais peut-être aller checker pour ça. Que vous en pensez? Ouais, on va aller voir pour ça. On sait jamais. Je peux avoir un pack-sac. Je retourne sur mon vaisseau. Je peux avoir un pack-sac et une lanterne accrochée après. C'est pas pire, ça compenserait pour les torches. Je pourrais juste me promener avec cette lanterne-là, puis... Je verrai ce que je fais sans être obligé de mettre des torches partout. Mais je sais pas comment que le monde font ça. Die, Distress Beacon, Iron Level, Iron Niveau Chair, Iron Bell, Sandstone. L'enclume peut-être? Non. Je peux faire une lanterne. Flickering Lantern, it lights up the area. Ok. Defector's Pants, Defector's Mask. Il n'y a pas de l'air à rien relatif à un pack sac. C'est quoi ça? Peut-être ça me prend de l'autre affaire. Il faudrait que je batte les pingouins de la mort. Les pingouins de la mort.
Faudrait que je fasse le Distress Beacon, je pense, j'en ai déjà fait un. Prêt à me battre contre les pingouins, mais j'ai pas l'armure qu'il faut pour me battre contre eux autres. Voyons. Bon. Distress Beacon, je suis sûr que j'en ai fait un. Ouais, il est là, ok. Fait que je pense qu'on va faire une petite bataille de pingouins. Qu'est-ce que vous en pensez? dans ce cas-là, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire comme armure. J'ai dû faire en masse, fait que je devrais pouvoir faire une armure qui a du bon sens. Defector's Pants, c'est 3 armures. Ça, c'est 4 armures. Fait que je suis mieux avec des affaires en copper. Ça n'a vraiment pas de bon sens. Fait que ça me prend des affaires en cuir pour faire ça. Mais ça a moins de défense que les affaires en cuir. Ok. Ça fait pas de bon sens. Ok, ben écoute. Je vais prendre des affaires en cuir au moins. On va faire un de même. Oh, j'ai pas assez pour. Je te déteste. Je parle au jeu. Pas vous autres. Vous autres, vous êtes cool. Bon, là j'ai une défense de 6. Faudrait que je me fasse un helmet. Un casque. Qu'est-ce qui me manque? 20. 20 copper. Puis moi j'en ai combien? 0. Mais j'en ai 13 ici. Faudrait bien que je fasse cuire ça. Hein? Boum boum boum. Toi tu t'en vas là. Fait que ça va m'en donner seulement 6. Puis ça m'en prend 20. Hein? On va aller à la chasse au copper, I guess. Au cuivre. Bon ben je vais aller trouver du copper. Je vais vous épargner moi qui fouille partout pour du copper, puis je vous reviens. Ok, j'ai pas réussi à trouver tout le cuivre que je voulais. J'ai juste trouvé. Ben? Ça me prenait combien j'avais dit? 20? C'est ça? Ah, je suis rendu vieux. Ça n'a pas de bon sens. Je trouve quasiment autant d'or que. Cuivre, puis le code, on n'en parle même pas, c'est une vraie joke. Mais j'ai lu sur le wiki, je sais pas si j'ai bien lu, je vais vérifier, qu'on peut prendre des bûches régulières non raffinées, des arbres qu'on vient de couper, pas des planches, puis qu'on peut les transformer en coal, en charbon. Ils disent 10 de ces bûches-là nous donnerait un coal. Si oui, ben ça pourrait être une solution au problème, parce que là, c'est vraiment ridicule. J'ai besoin de combien? Hey! Est-ce que t'es 17, toi? Il était 17. Comme un bugger. Ok, c'est ça. 20, j'en ai assez. On le fait. Allez, hop. Si. Oh boy, je fais ça. Je vais remettre mon casque. Yeah. Ça, je sais pas si vous saviez. La rangée ici, c'est pour le look. Tout ce que vous mettez là, c'est le look que vous allez avoir. Vous n'aurez pas les effets d'armure. Si vous mettez ici quelque chose qui a une armure, qui a un numéro de défense, comme ici, un bouclier, puis vous le mettez ici, ça ne vous protégera pas. Il faut absolument le mettre dans cette rangée-là pour avoir la défense. Ici, c'est juste pour les décorations. Fait que si je mets ça là, je vais avoir la décoration. Je n'aurai pas le... J'aurai la décoration. Comme je mets ça, j'aurai le petit manteau, et ainsi de suite. Bon. OK. Est-ce que je suis assez bien armé? T'as un peu. Faut que j'aille voir ça, là, ça n'a pas de bon sens. Defector, Copper Greave. J'en ai un Copper Greave. Pourquoi il me dit que j'en ai pas? Un casque en cuivre. Ok, il faudra pas que je les enlève de dessous, moi. Mais ça coûte trop cher. J'ai pas assez d'argent pour tout me payer ça. Right? Non. Mais ça vaut-il la peine? 3 de défense. Ça, c'est les pantalons. 2 de défense, ok, c'est un de plus. Ça vaut-tu à peine, quasiment. Parce que les 3 morceaux vont me donner 3 défenses de plus. Masque, 5. Je vais mettre 2. Oh mon dieu, ça fait une grosse différence. Au moins le casque. Puis chest guard, 8. 4. Les pantalons font pas une grosse différence. Les pantalons, on parle de 1 de défense de différence. Tandis que le masque. Qui équivaut au casque, c'est lui 2, lui c'est 5, c'est 3 de plus, puis les
Le chess guard, je pense que le chess guard, ce serait la partie la plus importante. 8 puis 4, fait que c'est 4 de plus juste pour le chest. Fait que je pense que c'est ça mon affaire. M'upgrader au moins celle-là, j'ai assez d'argent pour ça. On va l'enlever de sur nous. Fait que j'enlève ça. Je vais dans l'enclume. On descend. Defectors, chess guard, craft. Là, you. Hey! Hey! Where are you at? Là, il l'a mis sur mon corps automatique. Fait que là, ça augmente mon chose, augmenter de 4 ma défense. Pourquoi j'ai juste 8? Ah, ça représente. I don't get it. Ah, ok, c'est juste ça. Ok. Je regardais pas la bonne affaire. Phew! Parce que si je fais ça, ok. J'ai 12 de défense. Fait que 8, 9, 10, 11, 12. Mais là, j'ai pas assez d'argent pour m'acheter d'autres choses. C'est parfait, on va regarder ça de même. C'est pas la fin du monde. Ok. Next. C'est quoi je voulais? Côté arme. J'ai ça, c'est une bonne arme. Je pense que j'ai pas besoin de quelque chose de plus. Peut-être me faire une meilleure arc. Qu'est-ce que vous en pensez? Faut pas me le dire, mais c'est pas grave. J'aime ça demander par email. On est sur l'enclume. Ok. Iron Bow, c'est quoi que j'ai moi? C'est Hunting Bow. Iron Hunting Bow. Qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai pas assez d'argent, il me manque 10 piastres. Ah! Jackass! Oh, c'est pas la fin du monde. Moi, j'ai tué les petits pingouins, moi. Moi, c'est quelque chose que j'ai vu Ito faire. Je sais pas si vous connaissez Ito. Je sais pas si vous écoutez des let's play en anglais de Minecraft. Mais Ito, c'est un des gars que je regarde, il est vraiment bon. Il joue un peu à Starbound, puis il a trouvé un bug pour tuer les pingouins. C'est complètement par hasard. C'était drôle. Peut-être que vous savez pas de quoi je parle, des pingouins, mais je vais vous aller voir dans 2 minutes. Bon. Qu'est-ce que je fais? J'ai des bandages, je devrais peut-être en faire plus. Ok, m'en laisser la planète, faire d'autres bandages. Puis on va se préparer à tuer les méchants pingouins. Fait que je reviens dans 2 minutes. Bon, je suis prêt pour les pingouins. Moi, je suis venu ici sur le vaisseau, je voulais voir vite fait si on pouvait faire du coal avec du bois. On peut, c'est 10 pour 1, fait que ça prend beaucoup de bois. J'ai mis 230 bûches là-dedans, ça m'a donné 23 coal. Oui, puis j'aurais besoin au moins 200 coal pour changer de planète. Fait que ça veut dire 2000 bûches. C'est ça. On s'occupera de ça. Après l'émission, je vais aller couper du bois, m'amuser un peu. Pardon. Vas-y. Ok. J'ai pris une décision. Va combattre les pingouins. Ah non, pas eux autres. Va-t'en! Ils sont fatigués. Ah, va-t'en, personne ne t'aime. T'as mauvaise haleine. Ok. Trou du cul. Oh, 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 non. L'autre qui est où? Il est parti. Il a compris le message. Il a peur de mon gorille. Ok. On va aller ici. Je sais pas si je fais une gaffe, là. Mais je suspecte parce que les autres, ils ont des armes. Que si j'amène les pingouins ici, eux autres, ils vont m'aider à les battre. C'est juste un guess. Si, ils m'aimeront pas. Il y a des pingouins dans le village. Ok. Bon. On met le beacon. Le. Je sais pas c'est quoi en français. Puis on appelle les pingouins. Êtes-vous prêts? Moi je suis pas prêt, mais on va y aller. Ok. Puis qu'ils réagissent, eux autres et tout, ils veulent l'attaquer. Mais ils ont pas de l'attaquer parce qu'ils n'ont pas d'armes qui tirent de moi. Ok. On va descendre plus bas pour que le vaisseau descende vienne nous chercher. Comme ça, eux autres vont pouvoir l'attaquer. Faut m'aider. Descendre encore plus bas. Tiens, ici, entre les deux maisons. Qu'est-ce qu'il attend de venir pour descendre? Ah, ils sont vraiment choqués. Hey, hey! T'en vas, ouais, ok. Ah, il y a déjà deux bords de partie.
C'est bon. Quand on a mon écran, c'est peut-être que ça va endommager l'enregistrement. Je pense que oui. Désolé, on a une petite coupure en plein milieu, mais... Quand j'essaie de le mettre full screen, ça me cause des problèmes. Ok, là, il faut retourner au village parce qu'il tue tout. Oh. Ah, il y a pas vraiment mon affaire. Ok, ok, faut que je prenne les pansements. Ok, on va aller par là-bas. Ah, viens-t'en, l'OVNI. Oh, oh. Okay. Il est tout en train de démolir le village. Oh, il y a un pingouin dangereux ici. Tout en train de défaire le village. Je suis désolé. Non, pas vraiment. On s'en vient vers les quasiment moitié. Wow. Ça fait mal, lui. On parle bien cet arc-là contre ces petits pingouins-là. Je l'ai déjà battu le vaisseau, puis c'était pas mal plus dur que ça. Je peux même pas imaginer. Ça m'a pris comme une demi-heure. Là, il est quasiment mort. Puis j'étais mieux armé que ça, là. J'avais des meilleures armures. Ah non! J'ai attaqué l'oiseau, le petit bonhomme. Yeah! Il est mort! Ok, là, moi, je m'en vais d'ici. J'ai ce que je voulais. Bye bye les oiseaux. Désolé pour votre village. Ok, j'ai le Molten Core. Le cœur fondu, le cœur. Whatever. Le Molten Core. Je sais pas comment je traduirais ça en français. Si l'un de vous autres le sait, ben dites-moi les. Puis avec ça, je peux faire. Sais-tu, j'ai plus besoin de mon enclume. On vient ici, puis on fait. Metal Workstation, une station de travail de métal. C'est pour travailler le métal. Donc ici, on la prend. Tiens, on va la mettre ici. Fait que ça, ça va me permettre, un, de fabriquer ça, mais j'ai pas assez d'argent. C'est le Star Map Upgrade, la mise à jour de la carte stellaire de la... Ben, c'est ça qui va me permettre de sortir du secteur bêta, parce qu'on commence au secteur alpha, puis on est stocké au secteur alpha, puis en faisant la mise à jour ici, Mark 2, mise à jour Star Map Mark 2, en faisant ça, ben, ça nous permet d'accéder au secteur bêta de la galaxie. Fait que c'est ça, j'ai battu les pingouins, je pense que c'est assez pour aujourd'hui, ça. C'était assez d'émotion, plein d'émotion, je suis un gars émotionnel. Non, pas vraiment. Pas un gars sensible, les gars. Anyways, de toute façon, je vais vous revoir, I guess, demain. Ça, c'est l'émission du vendredi, je crois, oui. Je vais en faire une pour le vendredi, une pour le samedi, pour le dimanche. Fait que je vais vous revoir demain. Alright, attention à vous autres. Bye!